Monsieur Laporte, bonjour. Bonjour. Après 6 journées de championnat, il était dit que les nouvelles règles de la mêlée devaient fluidifier ce moment du jeu. C'est votre avis? Oui, il y a des avantages, c'est qu'il y a beaucoup moins de mêlées écroulées, donc beaucoup moins de mêlées à refaire. Après, l'arbitrage lui-même de la mêlée, je trouve qu'il n'est pas hyper performant. Quoi. Si on s'en réfère à deux matchs, notamment à Montpellier et à Grenoble, j'ai pas trouvé les décisions arbitrales très pointues et très justes. Et encore une fois, il y a un temps d'adaptation. Mais je pense que c'était une bonne évolution. Alors, hier, les instances fédérales ont annoncé que les images seraient retransmises sur les matchs, sur les stades. Comment vous jugez cette évolution? Je trouve qu'on prend à partie des arbitres et je trouve ça délicat. Et ouais, parce que ça va devenir un tribunal populaire. Ouais, exactement. Moi, je suis contre ça. Mais bon, chacun a le droit de penser, de décider ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas favorable à cela. Une dernière question, si vous le permettez. On vous voit souvent au milieu des gens à discuter, à échanger. C'est important, le contact humain, pour vous? Bien sûr que c'est important. Je crois qu'on ne vit pas tout seul. Moi, particulièrement, si je suis dans le rugby, c'est parce que j'aime les autres. Si je suis entraîneur, c'est que j'aime les autres. Et qu'effectivement, vivre en communauté, c'est une des priorités. Merci beaucoup. Merci à vous.